Les étalons ont reçu les insignes de la République pour avoir hissé dans le ciel arc-en-ciel les couleurs du Burkina. Le président du Faso les a félicités, les invite à se projeter, à se préparer pour les grandes compétitions à venir. La Corée du Nord, Russie, un tir nucléaire parmi les multiples mises en garde. Moscou, Washington, Londres, Paris ont fermement condamné cette course à l'armement nucléaire. C'est un nouveau pied de nez magistral que Kim Jong-un vient de faire à l'ensemble de la communauté internationale. Voici le sommet de cette édition. Bienvenue à tous. Les étalons du Burkina Faso, vice-champion de la 29e CAN, sont allés présenter le trophée au chef de l'État. Blaise Compaoré les a félicités. Elle leur a demandé d'être déjà dans la perspective des compétitions à venir. Niarki Teda. Les étalons du Burkina Faso au palais de Kossiam. Moumouni Dagano et ses coéquipiers sont allés recevoir les félicitations du président du Faso pour la mission accomplie. Équipe à fair play, meilleure défense, trophée de meilleur joueur assorti d'une deuxième place à la 29e CAN, c'est le bilan de la participation du 11 national à la fête du football africain. Bilan dressé par le ministre des Sports et le président de la Fédération burkinabé de football, Blaise Compaoré, pour qui cette prestation est la consécration de plusieurs années de travail. C'était pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé, on n'a pas beaucoup corrigé les erreurs observées dans les matchs passés. Et je crois que depuis quelques temps, il y a eu du travail qui a été effectué pour bien sûr limiter nos insuffisances et aussi renforcer le collectif. Et je crois que les résultats commencent à venir. Les étalons viennent de briser une fatalité en mettant fin aux éliminations prématurées, dira Blaise Compaoré. Classé 22e avant la CAN, les étalons viennent de sonner la révolte, propos du président du Faso, qui invite les étalons à s'armer de courage et d'abnégation pour faire respecter leur rang. L'avenir, c'est aussi pour nous aujourd'hui avoir à l'esprit que nous avons un rang. Nous avons ce rang à préserver et il nous faut nous mobiliser davantage pour être plus engagés, plus sérieux, plus collectifs, car c'est la victoire du collectif. Des conseils qui ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Ce sont des étalons très sereins qui ont suivi attentivement les conseils prodigués par le chef de l'État à qui ils ont rendu hommage. Ça me fait chaud au cœur, on remercie le chef d'État, son excellence, Blaise Compaoré, de nous avoir invités ici parce que c'est un honneur d'être ici aujourd'hui et d'avoir reçu la décoration. C'est magnifique. Et moi, je suis content, particulièrement pour mes partenaires et moi. Et il n'y a pas de mot à dire. Merci à tout le public, à tout le monde entier. Merci beaucoup. On est content de voir que tout le monde nous a soutenus. On est bien accueillis parce que c'est extraordinaire de voir. Quand on est arrivé à l'aéroport, on ne s'attendait pas à voir tant de monde. Mais le fait de voir ça, vraiment, ça nous a beaucoup touchés. Ça prouve que le fait qu'on gagne, ça donne vraiment la joie à beaucoup de monde. Et on espère que par le futur, on va continuer à apporter cette joie. Et pour nous, on aimerait vraiment remporter cette coupe une fois. Et j'espère que cette génération pourra faire ça. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer à bien travailler, continuer à donner raison à ces personnes qui nous ont fait confiance. Cette confiance passe aussi par un football efficace. Un football qui va se reposer sur la formation à la base, une bonne organisation des clubs, le renforcement de l'encadrement administratif et la gestion du sport roi. Et le président du Faso dit pouvoir accompagner utilement les acteurs pour un football professionnel. Je pense que nous allons demander à la fédération et aux associations sportives, le domaine du football, de nous proposer un agenda de travail afin de nous permettre de les accompagner le plus utilement possible. Avant de quitter le palais de Kossiam, les étalons ont eu droit à un déjeuner. Déjeuner offert par le président du Faso aux étalons qui ont fait flotter haut le drapeau burkinabé en Afrique du Sud. Retour justement sur cet événement marquant du jour, cette décoration reçue par les étalons au nom du président du Faso, grand maître des ordres. Une reconnaissance de la nation tout entière qui a tenu non seulement à dire merci, mais qui a tenu à manifester sa présence en compagnie des heureux lauréats. C'est tout au stade du Katout. Le compte rendu est d'Abdoulaye Kabouré. Les valeureux étalons du Burkina reçoivent les distinctions à la hauteur de leur mérite. Le Burkina Faso leur reconnaît la valeur des efforts consentis lors de la 29e Coupe d'Afrique des Nations de football en Afrique du Sud.
Le public sportif burkinabé n'a pas marchandé son déplacement au stade du 4 août pour témoigner de leur soutien aux étalons amenés par Charles Kabore, Moumouni Dagano, Jonathan Pitropa, Sibiri Alain Traoré. Ces vice-champions d'Afrique sont choyés par tout un peuple. La cérémonie de décoration est présidée par le grand chancelier des ordres burkinabé, le colonel Mamadou Guerma, représentant le président du Faso, Blaise Compaoré. Le ministre des Sports et des Loisirs, le colonel Yacouba Ouédraogo, et des autorités non des moindres ont rehaussé la qualité de la fête. C'est une source de fierté pour nous et c'est la reconnaissance aussi des efforts qui sont fournis depuis des années et par les autorités politiques, et en premier lieu le chef de l'État et aussi par les dirigeants de notre sport roi et tout le public effectivement. C'est une participation héroïque parce que comme on a toujours dit, l'équipe nationale c'est la vitrine de la nation. L'équipe nationale c'est l'unité nationale et l'équipe nationale c'est un facteur d'identification. À travers le message que l'équipe nationale a donné aujourd'hui au peuple du Burkina, cela veut dire lorsqu'il y a l'unité nationale, lorsqu'il y a l'union, le peuple peut déplacer des montagnes. Je suis d'abord fier de notre peuple, fier de la presse, fier de Pédale Compaoré pour ce qu'il a fait. Faire également le ministre des Sports, l'effort qu'il a fait pour unir l'ensemble des sporteurs. Faire enfin pour le travail bien fait pour la fédération et les joueurs. On ne peut mobiliser l'homme que sur la base de ses intérêts. C'est dans ce sens que nous sommes partis afin que tous ceux qui sont contre entre eux, qui ont des mésententes entre eux, que ce soit au niveau de l'Union nationale des supporters, que ce soit entre les anciennes gloires, nous avons essayé d'unifier tout le monde. D'amener les anciens entraîneurs des étalons, et vous avez vu, il y avait toutes les sensibilités. Ce sont au total 32 personnes qui ont été décorées, dont 26 élevés au rang d'officier de l'ordre national, 4 chevaliers de l'ordre national et 2 de l'ordre du mérite. À l'occasion, les artistes ont apporté à leur manière une touche particulière à la réussite de cette manifestation combien solennelle. Étalons du Burkina, créez votre légende. C'est notre fierté. Vivement que l'engouement qu'ont suscité l'accueil et la décoration des protégés de Paul Put se poursuit au cours des prochaines joutes continentales pour le bonheur des Burkinabés. Nous passons à la politique pour noter que le CDP a organisé un meeting à Ouagadougou pour marquer le lancement de sa campagne pour la reprise des élections municipales dans l'arrondissement 4. Le parti va à la conquête de 20 sièges et compte sur ses militants pour relever le pari. Saline Nana pour le compte-rendu. Dans l'après-midi du samedi 9 février dernier, l'ambiance était festive dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. La population est sortie pour soutenir le Parti du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans sa reconquête de l'électorat pour la reprise des élections municipales complémentaires. Une mobilisation saluée par le directeur provincial de campagne. C'était un peu difficile au départ de les convaincre, mais ce soir, nos électeurs ont démontré que notre parti est vraiment un parti de masse. Voilà pourquoi nous l'avions constaté. Aussi bien les femmes, les jeunes, les anciens, les coutumiers étaient présents pour honorer donc ce meeting. Et le directeur de campagne de préciser que la reprise des élections s'impose. C'est donc un devoir pour eux de prévoir avec leurs militants comment garder le cap de cette mobilisation. Il y a des partis qui sont là pour le nord, tout comme il y en a aussi qui travaillent avec les masques, qui ont un programme comme celui du nôtre. Et nous pensons qu'au soir du 17 là, nous allons faire une démonstration de force. C'est ainsi que tour à tour, les représentants des jeunes, des femmes, se sont succédés pour galvaniser davantage les électeurs. Le parti espère cette fois-ci remporter tous les 20 sièges au lieu des 14 lors des premières élections. Tout autre chose, à présent, la gestion des eaux souterraines dans les bassins africains fait l'objet d'un atelier de concertation entre spécialistes. L'enjeu est de mutualiser la gestion et l'exploitation de ces eaux en Afrique. Nyarki Teda. Ils sont des experts du domaine de l'eau, venus des différents bassins de fleuves africains à l'initiative de l'autorité du bassin de la Volta
ils se concertent à Ouagadougou sur l'intégration de la gestion des eaux souterraines dans leur programme d'activité. Car ces eaux invisibles sont aussi importantes que les eaux de surface pour les populations africaines, notamment les populations rurales. Des eaux indispensables qui doivent être mieux gérées au regard des menaces de surexploitation et surtout de pollution. We have all realized that since we depend even more on groundwater, nous dépendons beaucoup de la gestion des eaux souterraines et c'est pourquoi, en tant qu'organisation de bassin, nous avons trouvé nécessaire et utile de convier cette rencontre à Ouagadougou. L'objectif principal, c'est d'encourager les organisations de bassin à bien gérer les eaux de surface et les eaux souterraines pour que, de manière durable, cela soit profitable à l'ensemble des populations. Il s'agira pour les participants de s'informer sur la situation des eaux souterraines dans les bassins africains et leur exploitation. Cela dans l'optique de la coopération pour une meilleure gestion des eaux souterraines. Pour ce faire, il faudra pour ces bassins des fleuves africains intégrer la gestion des eaux souterraines comme partie intégrante de leurs activités. Cela reviendra à redéfinir les missions des bassins qui prennent en compte ces eaux. Ça fera partie de leur programme de travail. Ils vont y veiller et on va avoir beaucoup plus d'informations sur ces eaux. Et vous savez, si on n'a pas d'informations sur quelque chose, il est difficile de gérer. Et aussi, ça permettrait d'avoir une volonté forte, ça permettrait d'avoir des outils légaux de travail qui permettraient de garantir les résultats. La rencontre de Ouagadougou devrait donc permettre à ces experts de l'eau de faire un diagnostic de la situation des eaux souterraines en Afrique. Un diagnostic pour éclairer les politiques sur cette question des eaux souterraines. Actualité et charité se conjuguent harmonieusement. C'est à travers la foi chrétienne que la journée mondiale des malades a été commémorée à l'aumônerie des hôpitaux et cliniques. Des dons, des prières et de l'attention ont été accordés dans l'amour et dans l'esprit du partage aux malades. Claudine Bikaba. Pour apporter assistance et soulagement aux malades, l'aumônerie des hôpitaux et cliniques en collaboration avec 5 associations catholiques, dont la famille Camilienne Laïque, l'association catholique d'assistance aux malades ACAM, soutient les malades non seulement par des visites, dont des savons et autres, dans les grands centres médicaux, mais aussi par des chapelets et messes dites à leur intention. Que cette messe se situe dans le cadre de la semaine de solidarité avec nos frères et sœurs souffrants qui se trouvent voilà, cette semaine à la 5e édition parce que nous organisons voilà, depuis voilà, un certain nombre d'années voilà, et depuis la semaine du 3 au 9, voilà, depuis le 3 on a commencé cette semaine, on fait le tout dans les grandes formations sanitaires et c'est la clôture aujourd'hui à l'hôpital Yalgado avec cette messe. Une action qui répond à l'appel du pape Jean-Paul II qui a institué une journée mondiale des malades en 1992, commémorée le 11 février de chaque année. Nous nous organisons cette semaine autour du 11 février pour que le 11 février soit inclus voilà, dans cette semaine, au lieu que ce soit une journée. Et il se trouve que cette année, le temps de carême est très proche. Nous attendons le 11 pour commencer. Nous allons entrer dans le temps de carême qui ne sera pas facile pour nous pour vivre les activités. C'est pourquoi nous avons décalé du 3 au 9. Mais le 11, nous allons célébrer toujours à l'hôpital Blaise Compaoré pour toujours manifester voilà, le caractère voilà, ecclésial de cette journée. Cette semaine dédiée aux malades vise à sensibiliser la société pour qu'elle soit proche d'eux, mais aussi encourager le personnel soignant. Pyongyang a lancé son 3e essai nucléaire. La condamnation unilatérale de la communauté internationale ne s'est fait pas attendre. Tous ont rejeté cette action, la considérant comme une menace pour la paix dans le monde. Un incendie s'est produit cet après-midi même au marché de bétail de Tanguin. La cause du sinistre est non déterminée, mais beaucoup portent à croire qu'il s'agirait bien d'une imprudence. Les sapeurs-pompiers ont circonscrit cet incendie. Donc vous voyez sur les images la fumée, des flammes et les sapeurs-pompiers en action pour contenir ce sinistre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur www.rtb.bf. À bientôt.